Et bien salut tout le monde, c'est Matati, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Majora's Mask. Alors je crois que c'est l'épisode 24 en compagnie du gamer du coin encore. Salut. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire la quête du dernier masque. Et on va faire quelques quarts de cœur aussi. Alors on va commencer par le premier, parce que je vous rappelle que dans le dernier épisode on a eu le masque des amoureux. Et avec le masque des amoureux, on peut avoir un quart de cœur si on le montre au père de café. Alors je m'en souvenais plus, je m'en suis rappelé en regardant dans les Solus pour les quarts de cœur un peu avant. Ah ben d'accord, c'est fermé. Du coup on va essayer autre chose avec le masque du renard. Voilà, et aujourd'hui on va essayer vraiment de faire plein de mini-jeux, de récupérer la bouteille et de récupérer du coup l'un des derniers masques. Voilà. Je suis content parce que j'en ai loupé aucun. Le renard il veut pas venir. Si, il est là. Ah, il est là. Alors, hola, eh oh, eh non, quoi. Tu peux me rouler. Tu peux me rouler, what the fuck, ok. Y'a pas moyen, cherchez pas. Ok. Nous les renards, nous nous rencontrons grâce à notre belle queue bien touffue. Ouais, sauf que t'en as trois. Bon, enfin bref, il va nous poser des questions et il va falloir être capable d'y répondre. Il nettoie, il écrit des lettres. Oh, je sais pas. Oh, j'ai oublié de lire la question. Bon, on va. Attends, c'est quoi attends, c'est quoi la question? Enfin, la réponse? Non, mais trop tard, j'ai mis au hasard. Ah, et t'as réussi? Ouais, non, mais c'est pas grave, je retourne en arrière et j'ai juste à recasser les trucs. On se retrouve à la mairie, on va mettre le masque de l'amour et on va lui montrer. Voilà, et on va le lui parler avec le masque. Faites l'amour, pas la guerre. C'est ça. Le masque des amoureux. Alors là, ils font tout leur blabla, ils s'excusent d'avoir crié, hein, c'est la fin du monde. Puis là, ils partent tous les ouvriers, puis là, il fait merci d'avoir fait je sais pas quoi. Et on obtient un quart de cœur. Voilà. Voilà, c'est reproduction de bruit magnifique. Non, il faut être très attention. Ouah, j'ai chaud. Alors, je suis retourné dans le temps parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Enfin, bien sûr. Et j'ai oublié de faire la quête d'Anjou pour récupérer la bouteille. Enfin bref, du coup j'en profite pour refaire le jeu du renard. Donc cette fois-ci on va faire attention. Alors nous les renards... D'ailleurs il dit pas on m'enroule pas, je crois qu'il dit on nous roule pas. Tu sais pour ouais, dire genre on ne ment pas au renard. Ouais, on ne m'emboucane pas quoi. Mais tu m'allègres d'être un enfant bien sage. Je te propose un test. Oh, un petit lag. Combien y a-t-il de cocottes dans le ranch long, dans le ranch Romani? 12. Il y a 12 cocottes? Est-ce qu'il y a écrit de lui? Une, deux, plusieurs. Une, deux? Il n'y a pas que deux cocottes. Mais il y a écrit une, deux, plusieurs. Mais vérifie dans les... dans ce qu'il demande. Attends, le ranch Romani, c'est là où tu fais avec le masque d'Abrim. Ouais, là où il y a les extraterrestres. Mais il y a pas que deux cocottes. Sinon, ça se voit qu'il y a pas que deux cocottes. Vérifie quand même, parce que... Ouais, par précaution. Je crois qu'il y en a une. Mais j'ai peur de confondre avec le chien. Ah, deux cocottes. Pas de petits poussins que tu fais évoluer en cocotte. Non, il me demande combien il y en a... Bah, dans les questions du renard, si tu regardes dans la puissance Zelda, tu regardes les questions du renard. Alors... Zelda MM car ah zut, question du renard. En fait, tu vas dans le quart de cœur, tu le vois. Il est magique ce renard en fait. Ouais, il a trois queues. Attends, tu vois un renard qui a trois queues. En plus, c'est pas jaune un renard, c'est plutôt roux, mais bon. Et en plus, il se téléporte comme ça, tu casses les herbes.
Moi, je trouvais plus qu'il remontait de sous terre, en fait. Hein? Ouais, un quoi? Qu'il remontait de sous terre. Oh, Bah, qu'il peut-être. écrit. Mais C'était je crois que fou, c'est quand pas un même. honneur. Je crois que c'est un kitsune. Ah, je sais pas. Je sais pas si ça peut t'intéresser, mais les kitsune, ça vit 1 000 ans. Tu sais, comme le démon renard à 9 queues de là. Ouais, je vois. Et en fait, chaque 100 ans, il gagne une queue. Du coup, t'as trouvé la réponse ou pas? Alors, combien y a-t-il de vent? Alors, combien y a-t-il de vaches au Je marché? vote pour plusieurs. Moi, je vote pour 2. Mais attends, j'ai pas encore vu la réponse. Quel âge atteint-il? Oh, il y a plus de Normalement. 30 questions. Ouais. Je cherche, attends, quelques... Non. Là, le renard, il doit dire pourquoi il attend? Il regarde sur internet. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces réponses, hein. Non. 35, non. Non, non, combien... Oh. Ah, combien y a-t-il de cocottes dans le ranch Romani? Il y en a C'est une. ça. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais au début. Moi, Il y en j'ai a pensé que... une. C'est bon. Et après, il y en a plus que Je veux 7. une réponse choisie parmi les trois réponses. Combien y a-t-il de vaches dans le ranch Romani? De Ah, vaches, je m'en souviens, deux. c'est 3. Trois? T'es Ouais. sûr? Combien y a-t-il... Attends, je vais quand même chercher. Moi, je vote Oui. deux. Trois? Combien y a-t-il de vaches dans le ranch Romani? 3. Ouais. Ah, ok, bon, ben. J'avais raison. Alors, quels sont les mots magiques que Tingle a créés? Ah. Tingle, tingle quoi? Na tingle, tingle, gululimpa. Wow. Gululimpa. Ça, je le sais, j'ai eu un délire avec mes frères là-dessus. On dit Quel est Tingle, le. Oui, Tingle. c'est pas Tingle, tingle, Tingle. gululimpa. Il y en a, ils disent Tingle. Moi je Le dis plus Tingle. courant, c'est Tingle. Quel est le nom du père d'Anjou? Le responsable de l'auberge. Attends, il y a plus de 4 questions. Moi je croyais qu'il n'y en avait que 3. Padre, tortue, tertal. Attends. Je sais pas du tout là. Attends. Non, non, non. Il me semble que c'est tortue. Bah, vérifie quand même parce que. J'ai pas envie de me fail. C'est tortue. Ok. Alors, à quelle heure Romani, la fille du ranch, va-t-elle se coucher? 7 h, 8 h, elle ne dort jamais. Wow, ça fait psychopathe. Elle ne dort jamais. Elle t'observe pendant la nuit. Bah, le renard l'a observé pour savoir ça déjà, hein. Ah. J'irai 7 h moi, mais 8 6. heures peut-être. À Y a pas 6 heures. 6 h. Ah bon? Bah, il Ah y a non, c'est 7 se h et 8 h. réveille-t-elle. C'est se réveille-t-elle. 20 Mais heures. non. Mais il y a écrit 7 h, 8 h où elle ne dort jamais comme réponse. À quelle heure? Romani, Se la fille du ranch, couche-t-elle? va-t-elle se coucher? Ouais. Ben, il y a écrit 20. 20 h. 20 heures. Oh putain, et dis-moi, ce serait pas la version de 3DS qui t'ont mis? Peut-être. Je n'ai aucune idée. Attends, attends, ils te disent 20 h? Ah, ben, Putain, c'est mais je 20 suis heures. bête. Non, non, attends, attends, 20 h. C'est 6, 7, c'est 8 h. Voilà, c'est Ah bah ça. voilà. Fallait juste. C'est bon, j'ai le quart de cœur. Ouais. Fallait juste. Faire. Putain, je suis bête. Fallait juste. C'est 8 h du soir, donc. Oui, 20 h. 20 h du coup. T'as remonté le temps, sinon? Oui, j'ai le quart de cœur! Du coup. Salut les amis! J'ai un quart de cœur parce que je lui ai donné 5 000 rubis, et voilà. Donc maintenant, je vais récupérer des rubis. Voilà, donc rappelez-vous que si vous lui donnez 5 000 rubis, vous avez un quart de cœur, c'est ce que je farme depuis le début. Et maintenant, si je veux, je peux récupérer
les rubis que je veux. Maintenant que j'ai mon quart de cœur, j'en ai plus rien à foutre de lui donner les rubis. Voilà. Hein, je vais récupérer mes 76 rubis pour pouvoir faire des mini-jeux. Faut faire plus de combien? T'as dit pour le truc? 1120 points. Plus de 1120 points? Ou 2120? 2120. J'ai 2120 déjà, là. Voilà. Hein, j'espère que normalement je l'ai. J'ai 1220. 2230. Ok. Enfin, les amis, j'ai le quart de cœur de ce truc. Voilà, donc plus jamais je fais ce mini-jeu, d'accord. Les stands de tir, ça me saoule, il m'en reste un dernier à faire. Voilà, j'avais fini celui-là et j'avais bien entamé la version, une des meilleures versions de Pokémon, les gens ils disent. Qu'ils ont refait un remake il y a pas longtemps. Heureux, j'ai eu le quart de cœur en défonçant, vous savez, les deux dinosaures. À mon avis, je vous ai montré un passage en accéléré. Je vais vous montrer le trou exactement où il est. Il est ici. Voilà. Bon, sur ce, on continue. Les quêtes. Samus, Samus, Re, alors vous, ça a fait une petite ellipse, mais pour nous, ça fait 3 jours qu'on n'a pas touché au jeu. Il y avait trop de place sur mon ordi, j'ai dû couper la vidéo un peu avant. C'est pas grave, maintenant c'est réglé, on peut continuer. Je vais monter légèrement le son du jeu, voilà. Donc on attend la mamie pour la sauver, pour qu'on puisse prendre le masque de la nuit blanche. Voilà, je me souviens ce qu'on a fait. Pareil pour les quarts de cœur, j'avais revisionné la vidéo hier. Un petit peu, donc je me rappelle un peu de ce qu'on a fait. Et j'ai pas réussi les Octoroth. Non, pas cette lettre là, c'est l'autre lettre. L'autre laisse. Ah oui, ouais, ouais. Il ouais. Y a une autre lettre plus tard qui est donnée par le copain à café. Ouais. Bon, on a sauvé la vieille là. Ah non, il m'en manquait deux à la fin. Ah, parce que j'ai perdu du temps. Je me sens de le refaire. J'ai réussi! J'ai réussi! T'as réussi? Parfait! Bah oui, je le savais. Ah ouais, bravo! Là, j'étais chou pour y arriver. Je le sentais. Ah ouais, bravo! J'y crois pas. Bah moi non plus j'y croyais pas. Ah voilà les gens, plus jamais je retourne dans ce mini-jeu, d'accord. Je l'ai fait en let's play, la prochaine fois j'utiliserai les triches pour faire ce mini-jeu. Ah là là. Non, je déconne quand même. Bon, on va faire un autre mini-jeu. On fait une petite ellipse jusqu'à ce qu'il se passe un nouvel. Ouais, non, sachant que la première position triple votre mise et qu'en deuxième elle double, vous devez donc tu dois soit miser 60 rubis ou soit 80 rubis si t'arrives deuxième. Attends, mais okay. comme nous on veut arriver premier, il faut que tu mises 60 rubis. Attends, faut que nous on veut arriver premier. Ouais, si jamais t'arrives premier, tu peux viser que 60 rubis. Si t'arrives deuxième, tu dois obligatoirement. On va viser 80. Voilà, au cas on où. Est sûr. Voilà.
Ou déjà il est en tête. Déjà il est en tête. Déjà. Ah non, il passe deuxième. Elle fonce. Ah, il est retourné premier. Il se fait rattraper par un chien doré. Attends, il est deuxième. Eh putain, en fait, j'ai choisi un bon chien. Il est deuxième. Et attends, ah, il rattrape. Ah non, il est toujours deuxième. Reste deuxième, je t'en supplie. Ouais, il est deuxième. C'est bon, je l'ai alors. Bah, bravo. Et bah, voilà, lui, il a terminé deuxième. Voilà, j'ai pris le bon chien. J'ai un chien blanc. Je vais gagner. Félicitations. Et j'ai mon quart de cœur. Cool. Ah, je croyais que t'allais dire. Quoi? Non, parce qu'en fait, j'ai dit oui pour participer. Et en plus, elle me donne tarpin de rubis encore. J'ai 377 rubis. Je croyais que t'avais dit. Et elle ne me donne pas le quart de cœur. Si, elle me le donne, non, c'est juste que j'ai remisé. Enfin, j'ai dit oui, je vais rejouer en fait, non. Je vais me re-TP du coup. Mais ça, je vais vous dire ça. C'est bien ça. Allez, hop, non, bon, je vais s'arrêter bien. Allez, hop, on reprend. Quoi, j'ai dit dessus, mais j'ai dessus. C'est pour t'arranger le troisième. Quoi, non, y'a. Les bombes aussi, je les ai réussi du premier coup. Non, mais les bombes, c'est super facile. C'est, je crois que c'est. Les bombes, c'est plus facile que l'arc. Oui. Ah bah alors, j'ai pas pu faire la quête de café parce que tout simplement, vu que j'ai sauvé le voleur, je savais pas où la quête allait s'arrêter et elle s'arrête donc, au passage où il me donne la lettre. Enfin bref, on va parler à ce monsieur maintenant qu'on a sauvé le voleur. Espèce de gros radin. Hein? Vas-y, arrête de me parler. Vas-y. Voilà, l'offre. Il a que ce truc. Je l'achète. Et on a le masque de la nuit blanche. Super. Alors, vu que tout compte fait, on est en réfléchissant, l'épisode durera vraiment pas longtemps pour vous. A voir si. Enfin, moi je vais m'arrêter là. Donc je vous dis ciao maintenant. Et si j'ai le time de. Si j'ai assez de mémoire sur mon PC pour vous faire un épisode plus long, pour vous du coup, je le fais donc. Je vous dis ciao maintenant, mais peut-être qu'en fait on va continuer. Voilà. On sait pas. Donc voilà. Allez. Je vous dis au revoir YOLO. Vas-y, je te laisse un mot au cas où. A plus et abonnez-vous. Voilà. Merci. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi, c'est dans la description. Allez. Ciao. Through.